Bon, je vais commencer à assembler donc le variateur boost, donc avec les restes du variateur d'origine. Sinon, je vous ai pas dit les diagrammes du haut moteur vu que j'ai un peu travaillé. Donc, on est aux alentours de 180 degrés à l'échappement. On est aux alentours de 115 sur les latéraux. Donc voilà, un petit rehaussement et puis on verra bien ce que ça dit. Donc voilà. Ça, on est parti. Donc, j'ai presque le kit complet boost. Donc, la joue fixe, le porteur Maslot, là, la partie extérieure. Donc, il faut que je récupère canon et joue mobile du variateur d'origine. Et puis, c'est tout sur cette version. Bientôt, il y aura la joue mobile boost. Donc voilà, il restera plus que le canon et puis ça sera un variateur complet boost. Bon alors, dans le nouveau kit là, donc ça c'était l'ancien vario, donc le variateur d'origine. J'avais cassé déjà une petite oreille du basculeur, heureusement que je ne me suis pas pris ça dans la jambe, bref. Donc ça c'était la première version qui venait renforcer. Donc là, voilà la nouvelle version. Donc, on n'a plus besoin de tout ça, ce qui allège donc drôlement la partie variateur. Va falloir que je récupère donc les quatre guides que je les pose là-dedans. Ensuite, donc j'ai les axes avec des petites rondelles pour caler mes basculeurs, comme ça, voilà. Donc les basculeurs usinés exprès. Il m'a refilé ça en plus avec, mais bon, c'est exactement pareil que celui que j'avais de l'ancienne version. Donc je ne vais pas le changer pour le moment. Ça m'évitera que je m'embête à l'enlever. Donc joue mobile au lieu de la joue fixe, donc boost au lieu de la joue d'origine. Le canon bah, d'origine. L'écrou bah, spécial qu'il a fait. Et des rondelles pour caler tout ça. Bon, j'ai démonté donc mes petits guides sur l'ancien Vario. Donc ça se filte hop directement dedans. Hop là, x4. Voilà. Et après, donc on met les contre-écrous dessus pour pas que ça bouge. Hop là. Et hop là. Voilà. Donc ça, ok. Je vais finir de mieux serrer tout à l'heure. Axe. Donc là, quand il m'a vendu les maslots, donc j'ai des axes déjà fournis avec. Où il y a cela. Donc je vais garder cela. Ça, ouais, c'est plus pour le variateur. Ah, putain. Pour le kit du variateur d'origine qu'ils ont plus un peu comme ça. Et petite précision, ce que je viens juste de voir. Donc on a un côté fileté. Donc bien sûr, il les a bien mis en croix. Donc là, c'est OK. Et ici, ça se termine par un filetage. Hop. Et après, il y a une rondelle frein. Avec le contre-écrou pour finir de serrer l'axe. Ouais, bien vu. Ok, donc les maslots, ça a enlevé ça. Bon, j'ai enlevé donc l'axe d'origine des maslots. Je contrôle que l'autre axe passe bien. Par contre, les autres trucs plastiques tiennent pas trop dedans. Voilà, ça passe nickel et c'est libre. Ça, c'est bien. Entre les deux, ouais, il faut que je mette les rondelles. Ça va être mignon à installer. Tac, tac. Donc là, je fais un petit montage à blanc pour voir. Après, il faudra que je mette la graisse quand même. Hop là.
Avec tes petites entre toi, c'est mignon, je vous le dis. Et voilà. Ça, c'est mis. Il n'y a presque pas de jeu sur les côtés et c'est OK. Pour faciliter le montage avec les rondelles, ce qui n'est pas super pratique, vous les collez avec la graisse, comme ça ne bouge pas. C'est plus pratique. Bon, donc le kit Vario, là, est monté. Donc les guides sont serrés, OK. Donc dedans, c'est fileté plus contre-écrou, comme ça ne se dessert pas. Les masselots, donc c'est fait et c'est bien libre. Ça fait plaisir de monter quelque chose sans que tu aies adapté les pièces, ce qui est souvent le cas chez les autres. Donc là, c'est libre, c'est nickel. Pas de jeu, ok. Donc très bien. Maintenant, la suite, ben, écoutez, ça, hop, là-dedans. Et après, il va falloir que je vois avec les canons, le truc comme ça. Voilà. Ah, ben ça fait bien plus léger, beaucoup plus propre. C'est pas trop mal. Là, on a un super Vario ultra léger. Donc ça, ok. Les rondelles, il va falloir que je vois par rapport à la courroie. Et puis c'est tout. Bon, là, la joue mobile, donc ça rentre tout seul dedans. Voilà. Des ports dedans. Tac. On met ça. Voilà. Le canon. Ok. Un petit peu de graisse autour du canon quand même. Donc ça, j'ai mis les poids dessus. Donc là, je vais voir pour le monter sans cale pour voir comment ça vient. Ok. Ça, ok. Ok, donc ça donne ça. Avec ça, l'ouverture. Donc je vais mettre l'écrou vite fait. Et après, on va voir avec la courroie où elle vient. Bon, j'ai un souci avec mes trucs. Je vois pour mettre la plaque noire d'origine, tant qu'à faire que ça s'est enlevé, parce que ça coince et c'est pas normal. Donc, tac, tac. Est-ce que c'est mal déformé ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Là, ça, allez, hop. On va le dégager. Et on va essayer l'autre. Voilà. Ça va pas. Là, ça doit aller mieux. C'est bizarre, pourtant, c'est les deux mêmes. C'est deux mêmes. Est-ce que lui, c'est pas déformé ou quoi que ce soit depuis le temps et que ça vient forcer, il faut le temps qu'il se rôde, j'en sais rien. Bref. Donc lui, ok. Là, voilà. Ok. Ok. Ah, et là, maintenant c'est bon. Ouais, l'autre déformé, j'en sais rien. Bon, ben voilà, ça s'est bien monté, c'est propre. Voilà, ça fait un beau petit variateur ultra léger. Donc il n'y aura plus qu'à tester tout ça, régler ça. Donc là, j'ai plus qu'à le poser dans le châssis. Voir par rapport à ma patte au sort comment je débrouille, c'est pour ça que je monte pas l'allumage, je le ferai vraiment qu'en dernier dans le cadre
Une fois que le ressort, ben, sera en position avec mes pattes et tout le tonton. Bon, j'ai mis ma petite bougie Culolon céramique courte. Voilà, qu'on trouve sur VSX. Voilà le code. Donc c'est une B10. Voilà. Donc ça compris. Donc impeccable. Voilà. Bon, ben à bientôt les mobeurs. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'aura bien occupé faire ce beau petit moteur. Un vrai pur plaisir. Dans l'ensemble, c'était quand même de la belle pièce. Donc, espérons que maintenant, ça marche bien et puis que ce soit fiable sur tout ça. Allez, à très bientôt les gars. Salut. Bon, pour ceux qui sont restés, donc petit supplément. La voilà entièrement finie. Donc, ça a été énormément de taf. Donc, le radiateur, lui, est monté avec ses belles durites. Il s'est monté super bien. Obligé de raccourcir cette durite qui était un peu longue, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Les petits colliers. Dessous, je vais aller vous montrer, mais j'ai fait une pâte. Donc, là, le variateur bien calé par rapport à ma courroie. Donc, courroie bandeau plus longue pour laisser plus de place par rapport au carburateur. Voilà, pot de Gianelli dessus. Donc, de ce côté, l'allumage MVTDD est monté. Ça, très bien. Dessous, donc, voilà. Obligé de faire une pâte, donc plutôt deux platines, pour pouvoir monter mon ressort Doppler. Donc ça a été pas mal le boulot aussi. J'ai dû, là vous voyez le carburateur 19 PHBG, j'ai dû le couper pour le raccourcir. Donc raccourcir le carburateur pour que ça se monte, sinon ça venait taper dans la poutre là. Donc voilà, beaucoup de taf. Là-dessus, bien sûr, pour le radiateur, obligé de plier les pattes. Faire une entretoise en haut pour adapter là-haut. Donc ça c'est fait. Donc là c'est presque fini. Voilà. Moi je voulais monter après ces écopes comme ça là qui ont été peintes en même temps que la mobilette à l'époque. Sauf que ben là comme c'est foutu ça se monte pas. Voilà. Et si je le mets donc à fleur en haut. Comme ça, les trous sont pas au bon endroit. Après, si je le monte comme ça, ce qui est possible, le dessous, ça vient taper. Donc, il faut que je découpe le dessous pour pouvoir poser mes plaques. Mais même, ils se sont quand même bien plantés niveau implantation de trous. Parce que regardez, ça fait beaucoup trop. Ça aurait été plus centré. Là, on était bien. Voilà, là, on était parfait. Et là, si je mets par rapport au trou, ça fait comme ça. Ça me fait chier, c'est dommage. Voilà, le seul petit bémol que j'ai eu. Bon, allez, salut et à la prochaine pour la présentation.